Salut à tous, c'est Baïsanka. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie donc de la découverte des objets qu'on peut débloquer grâce à la recherche dans le bunker. On est avec Tintin. Tintin, ça va toujours? Ça va, ça va. Ça change pas depuis tout à l'heure? Non. Nickel. Donc je vais sortir avec les véhicules qu'il y a derrière moi, un par un. Je vais rentrer dans la MOC, vous montrer les camouflages secrets que j'ai réussi à débloquer et pour chaque véhicule, les nouvelles armes qu'on peut installer dessus. Donc c'est parti, on va commencer avec celui-ci, l'APC qui est juste là. Magnifique. Il est déjà pas mal, hein. Je suis pressé de voir les camouflages qu'on a débloqués. Donc je peux pas l'équiper ici, il faut que je sorte. Normalement, il y a les abonnés qui m'attendent avec le centre d'opération mobile. Voilà, juste là. Et du coup, ça devrait pas être trop long. Hop, on rentre directement à l'intérieur. De droite. Ouais, mais c'est parce que j'ai le message, là. Il me prend pour un noobie, il pense que je sais pas que je peux changer de place. Et du coup, à mon avis, tant que ça part pas, je pourrais pas rentrer. Voilà. Ah, ok. Donc, on va commencer déjà par vous montrer les nouvelles armes et ensuite je vous montrerai les nouveaux camouflages sur chaque véhicule. Donc ça normalement ouais, ça va pas changer, tout ça on est bon. Juste motif. Et du coup, ceux qui étaient cachés, il y a une flèche dessus? Même pas putain, je pourrais pas vraiment savoir à partir de où c'était en fait. Ceux-là on les avait déjà? Bataille navale. Ah, c'est mal foutu leur truc là. Ça commence à partir d'où, je sais plus. Mais c'était pas tous ceux vers le bas justement qui étaient bloqués? Ouais, si, je dirais à partir de là peut-être réserve naturelle je crois. Ou ouais, je sais plus. Putain, là par contre là j'ai un trou, je suis désolé les gars. Je sais plus à partir d'où ça commence. Je sais qu'à partir d'un moment, il y a même pas écrit en bas à gauche comme pour les fringues. Je vous les montre quand même, mais je sais plus à partir duquel ça se débloque. Mais normalement tous ceux-là vous les avez pas. Ceux-là c'est sûr. Je pense qu'à partir de 12, 13, à mon avis, à partir d'ici, ça va commencer à... Ça doit être débloqué à partir d'ici. Franchement, il y en a qui sont pas mal. Pixel large, on le voit pas bien avec les couleurs noires. Mais il est full black, non? Je pense que ça... Attends, je vais juste regarder au cas où avec la peinture. Ok, je sais, ça fait bizarre, mais c'est bien flash, du coup, on devrait le voir. C'était quoi encore le nom? Pixel large? Ah, tu vois, si, regarde. Ah ouais. Ça change quand même. Ah, tu vois, avec les couleurs, ça fait des trucs différents, des fois. Donc ça c'était pour les camouflages, et là du coup nous ce qui nous intéresse, c'est les armes. Missile sol-air. Arme de série, missile sol-air pour 180 000 $, on achète. Et normalement si je dis, attends non, celui-là il a pas un... Ah, mine de proximité je peux mettre aussi. Voilà. Oh cher, 100 000 aussi, bim. Et du coup j'ai envie de tester tout ça. Allez go. Comment que ça marche? Tu laisses cette couleur là? Ouais, c'est vrai que la couleur j'ai chié un peu, mais c'était pour le camouflage pixel là pour être sûr. Ouais. Alors, appuyez sur L3 pour lâcher des mines. Oh, regarde les mines! Ah, mais, ah oui, ok, putain, ça. Ah, c'est énorme! C'est une mine de 3 secondes juste en fait, ouais. Vas-y, remets-en une. Non, non, c'est dès qu'il y a un véhicule ah, ouais. qui passe. Ah, c'est dessus. Moi qui étais trop lent. Oh putain, ouais. Par contre, ouais, j'ai des flics quoi. Oh, bah ça a ah, pété. Ah, bah t'as pété un truc. Ah oh putain, véhicule personnel, j'ai baisé un... Bah c'est... Ah me dis pas qu'ils ont... Oh. C'est illimité? Gros, c'est illimité? Tu peux juste en poser 5 au même moment. Mais sinon, c'est tu peux en poser en blinde. Et du coup, ouais, ça, il faut... Ah, c'est abusé si tu peux en poser... Oh, illimité, regarde! Ah, c'est stylé, ça. Ouais, hein. J'ai changé, du coup. Je suis désolé, Cops, mais c'est pour essayer. Oh là 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 là. Ah mais du coup je peux pas rouler là. Oh regarde lui. Ah et du coup je peux le verrouiller? Pourquoi c'est vert là? Non parce que ton bonhomme il est devant en fait. Ah le mec, ah ok ouais le membre de mon crew. Ouais. Et là ensuite bim, je conduis et je me casse. Putain plus celui-là il accélère méchant oui. Bon voilà, on fait ça assez rapidement quand même les gars, petite présentation juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça c'était la PC. Si vraiment vous voulez des gameplays de 10 minutes où on fait des cartons dans la ville avec ces véhicules, dites-le moi dans les commentaires et on fera ça demain ou après-demain dès que Tintin sera rentré chez lui. On le fera en live dans ce cas-là. Ouais, même en live, ouais, voilà, ouais. Là c'est vraiment que vous voyez un peu les camouflages et ce que ça donne de pouvoir les armes qu'on peut rajouter dessus. Allez hop, on continue avec celui-ci, l'auto-chenille si je dis pas de conneries, magnifique. Et sur celui-ci, tu peux avoir la tourelle anti-aérienne ou quoi? Je sais plus, je sais que t'en as où tu peux avoir des batteuses derrière aussi. Je sais pas vrai, à part mardi quand le DLC est sorti, j'ai pas regardé. Il était chouette celui-là avec le côté chromé et tout ouais. Là. Hop, là on peut rentrer direct du coup.
cinématique. Oh, je veux du lourd. Donc pareil, je vais vous montrer les camouflages, les motifs sur ce véhicule là pour vous donner un avis un peu. Oh putain, t'as vu, avec quelqu'un dans le camion, je crois que j'ai failli l'écraser. Ouais, j'ai pas vu. C'était là, il est devant là. Là, lui là. Ouais. Alors, comment il est rentré? Motif. Bah, ils sont dans l'équipe. Ok. Donc à partir du 10, dans celui-là on l'avait déjà vu qu'on l'a mis, celui-là aussi je crois. Ouais, c'est à partir de là, je pense. Vraiment à partir de là. Donc les camouflages débloqués grâce à la recherche. Ouais, il est stylé celui-là. Ouais. Bah, même ceux-là, le pixel large, là, j'aime bien. Ouais. Hop là, après peut-être juste jouer un peu avec la peinture, je pense, pour avoir un truc un peu plus sympa. Ah bah ouais, c'est cool. Ah, tu peux vraiment faire toutes les couleurs. Ça, c'est la couleur principale. Couleur secondaire, on modifie quoi? Ah oui, c'était ici, ouais. On avait mis en chrome. Mm. Et du coup, alors, mine de proximité, on équipe. Et nous, ce qui nous a... Hop, les armes. Ah, c'est le calibre. Oh, il va être content celui qui est dessus quand on va sortir là. Hop. Ah, c'est le calibre qui change. Ouais. Alors attends, moi je vais m'amuser. Les mines, on connaît. Ah, attends, laisse-moi la place derrière, s'il te plaît. Oh, le bordel. Ah, elle a compris direct. Vas-y, roule. Non, non, ah putain, je crois qu'il faut qu'il aille à la deuxième place pour que je puisse. Ah non, voilà, non, c'est bon, c'est première personne quand même. Oh, elle a pris cher. Et t'as qu'un mode de tir ou c'est comment? C'est une 13 en fait? Une 13? Hein? Ouais, je pense que c'est que ça, ouais, attends, flèche de droite. Non, j'aurais eu un message, je pense, sinon. Ouais. Du style, vous pouvez changer les. Je veux juste, j'ai envie de voir si ça. Ah, c'est ah j'ai pas mis beaucoup de balles. Hein. Ouais. Regarde là, le barrage là, celle-ci là. Même. Ah, c'est pas évident de loin. Ouais, ouais, mais elle est morte, elle est venue. On a pas vu l'explosion. Le camion. Ah, le camion. Oh là là, c'est abusé. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc ça les gars, c'était l'auto-chenille après passage dans le MOC. Putain, c'est un diamètre de quoi, ça n'a pas écrit? C'était marqué 40 je crois. Ouais, quand on l'a custom, ouais, c'était marqué. Non, pas mal. Allez, c'est parti, du coup on retourne au garage et on va choisir un autre véhicule. Ensuite, on enchaîne avec le Dune Fav, donc directement dans les motifs. Je vous montre rapidement. Ah ben regarde, là, il y a les étoiles. Ça commence à partir de camouflage hivernal. À partir de celui-là. Celui-là aussi, il était bloqué secret. Regarde, là, regarde, j'ai les étoiles. Bah ouais, donc, mais c'est pas parce que tu les avais pas enlevés auparavant, ça? Non, je crois pas. Donc à partir du 9, à mon avis. Ouais? Ouais, ouais. Regarde, je les ai tous là. À mon avis, avec les autres véhicules, j'ai voulu forcer et quand même essayer de regarder. Donc peut-être qu'il a compté le jeu comme si j'étais déjà passé dessus et là j'avais compris, celui-là c'était un des derniers donc j'avais compris le truc. Donc à partir du 8 ou 9 à mon avis les gars, ça commence à être débloqué tout cela du coup. Ah du coup ce que tu veux dire c'est que quand ils étaient verrouillés, t'avais été dessus quand même et c'est ça qui a viré l'étoile. Ouais à mon avis peut-être, c'est le seul truc que je vois vu que j'ai jamais été dessus encore. Celui-là il pète en orange, le pixel aussi il est pas mal. Et après le vrai truc principal du coup, mine de proximité, j'ai quand même les mettre. Et au niveau des armes... Alors attention, je me rappelle plus. En vrai, c'est trop long la présentation. Ok, alors lance mitrailleuse. Lance-grenade. Mini. Oh là là. Oh, j'ai tout acheté du coup, je me rappelle plus de la différence de prix. Je pense que minigun ça peut être intéressant. J'ai vu 130 000 pour minigun. Ouais, et lance-grenade, j'ai pas. 80 000 je crois. Allez, minigun on connaît, on va essayer quand même avec un truc what the fuck, on va sortir avec le minigun. Non, le lance-grenade. Avec le lance-grenade. Le gars qui s'en mêle les pattes. Par contre, faut qu'il me laisse. Viens, moi, j'essaye. Mais ça va être abusé. Rentre, rentre vite. Ouais, nickel. Première personne, je pense, plus simple. Oh là là. Ah, ça tire vachement plus haut, par contre, que le curseur. Ah, putain, par contre, ça m'entend. Oh, c'est chaud, par contre. Hein. Ah, je pense, vaut mieux le minigun, tu vois. Ou alors, il faut que tu... Avec ton... Oh, putain, il y a un camion, là. Bam. Ah, j'ai même pas le... Oh, c'est chaud. Non, c'est peut-être pas le meilleur truc à mettre... Ouais. Du coup, je recommande peut-être le plus le minigun pour essayer d'avoir. Ou alors, attends, si. Faudrait qu'il a. Tu sais, si tu tires bien sur quelque chose. Parce que à l'impact, ça pète. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça part haut, hein. Non, ça rebondit et tout, ça pète. Ah non, là, elle a pété vite, tu vois ce que je veux dire? Regarde, bim. Oh là là. Ah, je suis mort, au moment où on a compris, tu vois. À l'impact, ça pète direct, ouais. Donc, ensuite, on enchaîne avec la Tampa. Pareil, direct les motifs qui sont là. Ah, tu vois là, regarde. Y'a pas les étoiles, ouais. Nulle part, tu vois ce que je veux dire? Pas mal.
Moi je vous les montre rapidement, c'est les mêmes, mais au moins vous pouvez les voir à chaque fois sur le véhicule différent, ce que ça donne un peu. Si vous avez peut-être des préférences. Tu vois, genre celui-là il est pas mal. Ah, regarde là, il y avait les étoiles, je sais pas si tu l'as vu. Sur les deux derniers pixels, il y avait les. Je regardais pas. On avait les petites étoiles. Et ensuite, du coup, on va mettre les mines de proximité et les armes. Là, je crois qu'il y avait une mitraille derrière, mais je suis plus sûr. Mortier ! Lance-missile. Oh, en gros, tu peux mettre des lance-missiles devant. Tu peux mettre un mortier à l'arrière. Et un minigun. Et un minigun x2. X2, ouais. On avait déjà un de base. Non ! Et c'est qui roule, qui tire les mortiers du coup? Il va y avoir des boutons actionnés de fou, mon gars. Mais il y a l'utilité de tout ça, il y a des missions aussi. Ah, regarde, je tire les missiles là, regarde. Boum, boum, boum. Ah bah oui, ah, mortier à l'arrière ensuite. Oh mais non. Mais c'est terrible. Et ensuite, mortier arrière, double minigun. Oh là là. Gros, à double minigun, ça doit faire trop mal. Ah, ça découpe. Attends, mais vas-y, toi, viens voir ici. Attends, toi, là, t'es tout neuf. Ouais, ok. Mais ouais, mort. C'est instantané. Mort de rire. Attends, bouge pas. Toi. Ah, petite merde, il a senti le danger. Non, la voiture, là, qui est à l'arrêt. Ou... Lui, vas-y, va le soigner. Ah, mais ça va être un bordel, les sessions. C'est un truc de fou. C'est pas évident non plus à gérer, mais franchement c'est... Et là les missiles ils sont pas guidés hein. C'est ça, faut que j'attende qu'ils passent devant aujourd'hui. Ah, okay. Et les mortiers ben, ça tape derrière. Et tu peux... Attends voir. Ben, tu tires un mortier, tu recules. Et il t'atterrit sur là. Ouais ben voilà. Ah d'accord. Ok. Ah putain quel con. Et on finit avec le meilleur, là l'oppresseur. Donc pareil, direct, je vous montre les motifs rapidement. Je sais pas si... Ah, y a pas les petites étoiles. Ah, ça fait sympa sur la moto aussi, les... Les camons. La pixel, j'aime bien. Genre, celui-là, il est pas mal. Pixel moyen. Et ce qui nous intéresse, du coup, c'est surtout... Tout ça, c'est mis, là. Putain, je vois des étoiles. Un garde-boue arrière, j'avais pas mis. Et les armes qui sont ici. Missile, mon gars. Transmission, t'as une étoile. Ouais, mais j'ai été voir et c'est juste que en fait, okay, ouais. Tu sais, j'ai pas fait ça, mais j'avais fait direct vers le haut quoi. Rousse, on s'en fout. Et on va aller voir ce que ça donne du coup, hein. Petit missile là sur la moto. Donc il y a juste un missile à l'avant en fait. Ouais, et il y a le vol, elle a des ailes et tout. C'est quand même what the fuck. Le boost, tout ça. Mais en plus, ouais, elle a des missiles. C'est un peu. C'est un peu abusé, je pense. Dites-moi ce que vous... Oh, c'est ah, ça verrouille, ça, par contre, je pense, non. C'est quoi, le bug de fou? Regarde, je suis dans mon garage. Je suis bleu dans le garage. Il m'a pas sorti, jeu de merde. Donc, on va essayer. Ouais, voilà, je peux tirer, du coup. Oh, putain, regarde où est mon bleu. Mais regarde ma moto. Ouais, la moto, elle a failli sortir toute seule. Ouais. Voilà, on a même fait un petit glitch en live, en vidéo, les gars. En tout cas, bah, de toute façon, ouais, sur la moto, là, c'est juste les missiles. Hein. Il y avait pas de... Là, je peux... Ah, missile avec avec et sans guidage. Avec et sans, ça c'est pas mal, ça c'est intéressant, ouais. Pas de mitraillette sinon. Et ensuite, ouais, les ailes. Du coup, si t'appuies sur croix, tu les rentres, tu les sors. C'est pas abusé. On l'avait pas montré dans la présentation, du coup, ça de la dernière fois. On avait pas vraiment eu le temps, hein, je m'étais expliqué. En tout cas, les gars, bah, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Nous, on va vous laisser là-dessus. Si jamais vous avez pas vu toutes les armes améliorées, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Puis bonne soirée les gars, ciao tout le monde. Quand je dis pouce, vous dites bleu. Pouce bleu, pouce bleu. T'as aimé la vidéo?